Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Et je peux vous dire que cet épisode, il a fallu le mériter parce que ça a été la débandade. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Pouah, ça doit bien faire un mois que j'ai pas joué. Il a fallu que je fasse des mises à jour. Et bref, ça a été la débandade et c'est toujours en train de bugger. C'est génial. On adore. Est-ce qu'on va réussir à se retrouver sur ce jeu? C'est la question à 100 000 euros. Je règle ce problème et on se retrouve sur Hogwarts Legacy pour un petit moment, j'espère, parce que je l'ai mérité, d'accord? Je l'ai mérité! Et il faut que je branche la manette. Sauf que je ne sais plus où elle est passée, cette manette. Aïe! Je me suis roulée dessus. Elle est où, la manette? Voilà, j'avais... Pardon? Non mais attendez, moi je suis pas prête là par contre. Hein? Oh! On m'attaque pas comme ça alors que ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Non mais fallait pas m'attaquer comme ça dès le départ. On attaque nous, je sais même plus ce qu'on doit faire, je sais plus où on va, je sais pas, heureusement que j'ai eu des réflexes pour le protégo que je me souviens jamais. Dis donc, Salem, ça fait 5 minutes que 10 secondes que je joue, on a déjà voulu me planter 15 fois. Alors, je sais même plus comment on fait. Quête, j'en étais où moi? Retrouver Logan à l'entrée de Namanamana, je sais même pas ce que je foutais là. Obtenir et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Ok, on va tenter ça. Je pense que c'est ça que j'étais en train de faire. Je pense, je sais plus. Je vous dis, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Obtenir et utiliser une tentacule level de blair. Attends, j'en ai pas? C'est ça que c'est en train de me dire? Je sais plus comment on fait. Il faut que je vois mon inventaire. Voilà. On va commencer par ça. Mais... Ok, donc ça c'est quitté. Je vais comprendre au bout de la 12e fois. Voilà. Créature, non. Je pense que c'est ça. Jus. Langue. Dictame, fourrure de chien, feuille, judogun, nanana. Non, j'en ai pas. Ok. Du coup, je suis partie un peu vite. Il me faut des missions. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, ça veut dire? Non. Récupérer des crottes de nez de troll. Je vais essayer de faire ça. Attends, qu'est-ce que j'avais là? Parler à Imelda. Apporter 3 potions d'invisibilité à Fatima. Trouver entrée dans le couloir. Trouver les jetons restants dans Poudlard. Bon, on va essayer de faire ça, là, le truc du troll. Je sais pas du tout où c'est. Et je devais pas être loin. Alors, je sais plus comment on fait pour... Je crois que c'était S. Non. P. C'est pas ça. Vous savez, pour suivre, je sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était S. Hein. Il y a le truc de Revelio qui s'est mis en route, donc ça veut dire qu'il y a un truc quelque part. Ah, voilà. Aucune trajectoire n'est disponible. Mais saute plus haut que ça, quand même.
Moi, je pense que les trolls, ils sont dans la forêt interdite, non? V. Le professeur René veut que je teste Repulso sur un ennemi en lévitation. Elle souhaite également que je récupère des crottes de nez de troll. Je vais donc devoir trouver un troll et le vaincre pour terminer ces tâches. Peuvent être effectuées dans le nom. Ma carte ne sera d'aucune aide. Je vais devoir explorer. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Comment on fait pour quitter ça, là? Bon, on va éviter de perdre trop de temps quand même sur ce bordel de babouin empoté. Alors moi, j'ai juste envie de... Ok, par contre, j'aimerais bien me mettre Repulso, du coup, tant qu'à être là. J'ai des talents à voir. Qu'est-ce que je voulais faire? Équipement. C'est un enfer. Quand ça fait longtemps que t'as pas joué, ça devient très très compliqué, franchement. Non, c'est pas là. Hein. Je sais plus où c'est. Voilà, j'ai trouvé. Alors, Repulso, ça doit être celui-là. Yep. Et non, on va prendre celui-là aussi, parce que sinon je vais être emmerdée. Ok, super. Je fais venir et je dégage. Ah, sur un ennemi en lévitation. Donc, il me faut Wingardium Leviosa. Je pense que c'est ça. Permet de faire léviter les objets et les ennemis. Ouais, c'est bien ça. Ok. Il me faut une popine, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut bien venir se battre avec moi maintenant que je les ai toutes flinguées et que ça sert plus à rien? Bingo! Alors. Voilà. Ok, ça c'est good. On va prendre la map. Je sais plus où elle est non plus. Et on va aller faire d'autres trucs parce que là, c'est pas possible, quoi. Je vous jure, c'est l'enfer. Je sais plus ce qu'il faut faire. Trouver Log Dop à l'entrée du tombeau de la sorcière. On va faire ça. Je pense que c'est une bonne idée, non? Allez, on va faire ça. J'avais un balai, me semble-t-il. Je sais plus comment on l'ouvre, le balai. Ça y est. Non, mais je vous dis, hein, ça va revenir, mais il me faut un peu de temps, quoi. Si on pouvait croiser un troll sur le passage aussi, ça serait bien. Faut que je joue plus régulièrement, en fait. C'est la problématique, elle est là. C'est que... j'ai pas assez joué. Enfin, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je me concentre un peu plus sur ce jeu. C'est pas pour me déplaire, loin de là, franchement. Je suis prête. Bien. Ne perdons pas plus de temps. Bon, je sais pas si j'ai choisi la bonne mission. Que je dois retrouver. C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtcott. La sorcière se prenait pour une collectionneuse. Parce que je sais plus quel niveau il faut pour cela. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins.
Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Il y a du monde là-bas, c'est quoi? C'est des trolls, c'est... Je pense pas que ce soit des trolls aussi collés les uns que les autres, là. Bon, on peut aller plus vite, s'il vous plaît, là, parce que franchement, c'est naze. Vas-y, prends à gauche. Ça me va, hein. Non? Bon, tant pis. Je finirai par tomber sur un troll... Au hasard, ça se trouve. Tu parles pas assez. J'aime pas ce calme. Je vais peut-être changer mes sorts, par contre, je suis en train de penser. Ouais, parce que j'ai pas confiance. Voilà. Je préfère, vaut mieux faire des trucs comme ça et ne pas en avoir besoin que en avoir besoin et devoir le faire à la va-vite. Surtout quand on recommence comme ça à jouer. Non, mais c'est pas en haut là. On peut marcher plus vite là. Ah, on peut marcher plus vite. Marchons plus vite, s'il te plaît. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Bon, pas trop. Ça va. Super. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette va vous donner un avantage. Mais sympa, merci. Une question à me poser avant de partir. Oui. Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous. Ouais, merci. Bon, je vais crever 12 fois, c'est pas grave. Ce serait pas un petit Lumos là qu'il faudrait tout simplement? Il est où Lulu? Il est là. Donc il en manque un. Voilà. Étrange. Merde, je me suis déjà perdu, les gars. Je récupère toute la thune, les gars. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin.
Il n'y a rien d'autre. Bon, je récupère toute la thune, hein. J'ai aucun souci avec ça, les gars. Voilà, il y en a déjà un de posé et je pense que là... peut-être ça ou sinon ça. Voilà. Je me doutais bien que c'était un truc dans ce genre. Ensuite, c'est vraiment, et franchement, c'est vraiment naze qu'on puisse faire si peu de sorts à la fois. C'est n'importe quoi. Franchement... Ok, et le troisième, il est où alors? Bah là, voilà. Ça va, pour le moment, c'est simple. Ça me remet en jambe, disons. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Mais non, t'es toute seule, c'est bon, le motep. Ah non, t'es pas toute seule, en effet. Ah bah super! Des petits zombies! Je vais crever. Je suis mourue. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps qu'on était ma morte. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. On va y arriver. Je peux boire un coup? Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Oui, évidemment. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on est obligé de repasser les trucs, là? Mm-hmm. Ah, moi, je voudrais Glacius aussi. C'était bien, Glacius. Ah, bon, on va mettre ça là, parce que Expelliarmus, je doute. Désolée, hein, je parle pas, mais comme d'hab, hein, je suis ultra concentrée. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Ils ont tous fermé leur gueule de merde, là. Odeur de la mort. Oh, super. Je me doutais bien qu'il fallait faire exploser ça, de toute façon. Je vais aller voir de l'autre côté avant, quand même. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, on vient là de la droite, exactement. Je viens de péter ça, donc on va y aller tout de suite. Donc ça veut dire que s'il nous donne des équipements, des trucs comme ça, je pensais qu'on pouvait monter. Non. S'il nous donne des équipements, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va se faire allumer la gueule encore, et encore, et encore, et encore.
suppose que là va y avoir du monstre. Il est où le portail? Il est là. Voilà, j'en ai vu un qui était en haut aussi. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas ce qu'on pourrait y foutre. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Ouais, mais faut réussir à l'alimenter, comme tu dis, ma vieille. Je crois que j'en ai vu un là. Hein. Ouais, on est d'accord, il y en a bien un là. Comment je fais pour monter? Par ici, peut-être? Non. Et si je lance un truc? Je sais pas, hein, je tente. Qui ne tente rien n'a rien. Non, j'ai mis. On va peut-être mettre un repousseau. Non. Ici. Non plus. Ça ressemble à quoi? Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Attends, j'ai besoin d'un papillon pour ouvrir, c'est ça? Est-ce que je peux les récupérer? Oui, je peux en récupérer un. Et si je le fous là? Il est parti où le con? Ah, d'accord, j'ai compris. Non mais c'est bon, tu peux rester chez toi. Bon, ça va, c'était bien moins compliqué que ce que je pensais. Ok, franchement, pour le moment, ça va. C'est moins compliqué que toutes les autres fois, je trouve. C'est moins chiant à faire aussi. Là, il y a une vraie logique. Je me souviens des fois, c'était un peu nimp quand même. On peut l'exploser ça ou pas? Non. Allez, je vais me faire casser la gueule, c'est ça? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Ok, je vais en avoir besoin donc. De toute façon, si elle parle de trucs comme ça, c'est que je vais en avoir besoin pour quelque chose. Il doit y avoir une histoire de... faut que je le fasse tomber pour faire écrouler la porte ou j'en sais rien. Y a rien là, ok. Toi ici, comment je t'avais ouvert? Je crois avec celui-là. Voilà. Je suppose que toi, c'est ce que je dois prendre, donc il me faut le... On va mettre celui-là. Allez, suis-moi, petite boîte. Ah merde, il me faut Axio maintenant. Ah, c'est vraiment le truc, moi, qui me casse les couilles, ça. Franchement... Et comment on fait pour... Ok, donc ça continue à voler quoi qu'il arrive. Super. C'est peut-être parce que c'est pas à la bonne place, je sais pas. Je dois l'utiliser pour quoi? C'est ça, la vraie question. Je peux monter dessus? Ouais. Je réfléchis. Hein. Le sol semble plus fragile ici. Voilà, et là. Je vais descendre, je n'ai pas le choix. Allez, casse-toi de là. Super, nager dans des espèces d'égouts, c'est tout ce qu'on aime.
Alors là, excusez-moi, mais j'ai un mauvais pressentiment, donc on va remettre toutes les attaques parce que sinon je vais crever. Et j'avais raison. Je fais n'importe quoi, putain! Léa, concentre-toi un peu, hein. Et je suis morte. C'était sûr, hein. Déjà qu'avant, je gérais pas du tout. Alors maintenant, les gars, c'est mort de chez mort, en fait. Vous voulez bien sortir? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je suis déjà morte? Merde. Bon, il faut que je tourne pour me servir des trucs que j'ai autour, en fait. Parce que avec des sorts, juste, je suis pas capable. Faut que je reste maxi concentrée pour éviter et tout, et c'est pas envisageable pour moi, là. Allez. It's time. C'était mieux. Je vois rien de ce que je fais, c'est un enfer. C'était mieux. C'était mieux, mais c'est pas encore ça. Niveau 19, je sais plus combien je suis de niveau. Salem, c'est un enfer, je sais pas quoi faire, c'est nul. Bon, il faut pas que j'aille par là, parce que sinon je me fais keblo. Ok. Let's go! Non, 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 je veux changer, je veux changer. Il
Il faut que je me mette Incendio. Normalement, Incendio, ça marche bien contre eux, étant donné qu'ils sont muertés et qu'ils craignent la lumière. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je vous jure, je vais jamais y arriver. C'est une catastrophe. J'ai envie d'abandonner le jeu. Ça m'a tellement saoulée de revenir et de faire ça sans déconner. C'est un enfer. Je suis niveau combien? Je sais même pas combien de niveaux je suis. N'importe quoi. C'était qu'un. Donc c'est bien le feu qui craigne au max. Donc déjà quand c'est ça, ça devrait mieux se passer maintenant. Ah c'est bon, ça m'a gardé. Super. Donc on va d'abord utiliser tous les RB qu'on peut. C'est totalement aléatoire, ça me saoule, j'arrive pas à jouer, c'est franchement... Et ça me saoule pour la vidéo parce qu'il y en a plein qui vont... Enfin, j'en ai marre. Je suis nulle, d'accord ? Ouais, là je vous avouerai que je suis même en train de penser de tout arrêter quoi. Ça me saoule grave. Protego, comment on fait Protego? Ok, c'est bon.
Arrête de paniquer, Morpione, ça sert à rien. Oh putain, encore, mais c'est une grosse blague, putain! Non, mais c'est une blague, quoi. Tu penses en avoir fini, t'en as 15 autres qui arrivent, quoi. C'est pas possible. Oui, je suis énervée, oui. Ça me saoule. Je prends aucun plaisir. Aucun. Je vais en faire des cauchemars cette nuit. Non, mais c'est pas possible, c'est invivable ce truc. Je réessaye une dernière fois et si ça marche pas, franchement, j'arrête. Et on passe à autre chose parce que ça va me saouler. Je suis pas capable d'y arriver, ça me saoule. J'ai pas assez de potions, je sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut que je me casse, est-ce qu'il faut que je les affronte quand même? Bon, c'est pas la meilleure façon de se battre, mais écoutez, ça a l'air de fonctionner.
Mais franchement, je vais pas batailler plus. Si ça fonctionne, cette méthode de je fuis et je lance des Isiendo à tout va, bah écoutez, on va faire comme ça. Hein. Moi, j'en ai marre de batailler. C'est bon, il n'y en a plus là. C'est fini. Pour de vrai. Et j'étais à deux doigts d'abandonner là. Franchement, ça m'a saoulé, mais grave. En fait, ce jeu, t'es obligé de fuir tout le temps. Tout le temps, t'es obligé de fuir. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire. C'est vraiment de la merde. Excusez-moi, hein, mais moi, ça m'agace là. Je suis obligée de mettre un Lumos. Je sais pas trop à quoi tu vas me servir, mon gars, mais écoutez. J'ai pas envie de changer, j'en ai marre. Notre chemin là. Ça veut dire que je vais encore devoir me fighter. Alors moi, ce jeu, il est censé me détendre et il m'énerve en fait. Je sais pas du coup si c'est vraiment une bonne idée de jouer. Alors la question c'est, il est parti où ce vieux con maintenant? Il est là à mon avis. Non, putain, mais je suis teubée. Il m'a pas suivi? Oh le fils de putain. Ah quand même. Ok, et j'en ai un dernier à prendre qui est en bas. Je l'ai vu. Mais allez, il saute, c'est bon, fous-moi la paix. Lui, à mon avis, si là, je lance un réducto, il va partir sur le truc d'à côté. Non, il repart là-bas. Attends. Est-ce que vous la sentez, l'énervement qui va pas tarder à arriver ? Parce qu'il m'en manque un seul, j'ai envie de gerber en plus, putain.
putain, j'ai compris. Ok. D'accord. Alors, toi, tu vas venir chez moi. Viens. Je vais te déposer ici ma caille. Voilà. Pendant ce temps, moi, je monte. Quelle heure ? Ouais, ça va. Ah merde ! Vous voyez le bug des caméras là ? J'ai chaud. Ouais, super, c'était trop utile ce que t'as fait, Léa. Oui, je suis très en colère. Est-ce que je la capte d'ici ? Faire tourner ceci devrait faire monter la plateforme. On l'aura mérité celle-là. Je vous dis, après cette mission, on se quitte parce que là, moi, je vais craquer sinon. J'ai rien à ramasser ici. Il va se passer un truc quand je vais m'en approcher, c'est ça? Des collègues ont dû. Je dois montrer ça à Lockcock. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. En fait, mon problème, c'est que moi, je veux toujours attaquer. Alors que dans ce jeu-là, il faut clairement fuir et faire la seule attaque qui est dispo. Quoi. Oh putain, enfin. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, mais juste un serpent. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Non, j'irai pas. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Bon, d'accord, j'y vais. Si vous insistez, messieurs, dames. Je sais plus comment on fait pour faire apparaître le balai. Je suis énervée. J'en ai marre. Je suis énervée, d'accord? Bon, allez, là. Comment je fais pour mon balai? Ah. Et voilà, les serpents cendres. Ah bah parfait. Alors, réfléchissons convenablement. Thank you.
je vais craquer. Je vous jure, je vais craquer. Oh. Donc c'est parfait. Ouais, vas-y, finis-le. Réducto, c'est lequel, Réducto? Répulso peut-être. Ouais, merci. Vas-y, mets des fleurs sur ma tombe. Je vais craquer. Je le fais une dernière fois et si ça fonctionne pas, je quitte ici et on reprendra plus tard quand je serai un peu plus calme et que j'aurai moins la nausée. Parce que mine de rien, là j'ai la gerbe et ça me plaît pas. Alors déjà, faut que j'avance plus parce que... Bon, je pense qu'on va arrêter là, les gars. C'est bon, on a compris que j'étais une grosse merde. Mais arrêtez, on est dans la même team ou pas, là? Non? Bon, écoutez, les potes, je pense que on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne vais pas tarder à craquer. C'était une vidéo de reprise, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. Il est temps, si je peux arrêter, parce que sachant que c'est peut-être pas possible, on va voir ça tout de suite. Si, c'est bon. Il est temps pour moi de partir. Il est temps. Parce que je vais craquer, sinon, voyez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée, je pense, si vous regardez ça au moment de sa sortie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée, j'ai fait que râler. J'ai fait, mais c'est la vie, va falloir vous y habituer. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée selon quand vous regardez ça. Et je vous fais des bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!